Monsieur le Président de la République, comme plusieurs de mes compatriotes, j'ai suivi avec une oreille critique votre discours prononcé le 30 juin. C'était un très beau discours, en tout cas vous nous avez fait balader. Les intonations, les métaphores employées, la fluidité de votre expression, en tout cas vous avez tout d'un bon orateur. Je comprends que si le tout-puissant Lambert Mende n'a pas été reconduit, c'est parce que le Président lui-même est un beau parleur. Mais Monsieur le Président, avec tous les égards qui vous sont dus, permettez-moi de vous dire que vos beaux discours vous rendraient célèbre au barreau ou sur un plateau de télévision, et non à la présidence de la République. Ce qui rend célèbre à la présidence de la République, c'est les actions et non les discours. Monsieur le Président, votre discours du 30 juin était tellement sophistiqué qu'il a presque été sophiste. Je n'ai pas le temps de le décrypter dans son intégralité, je vais plutôt prendre un petit extrait. Dans ce discours, vous critiquez avec beaucoup de crudité vos prédécesseurs, et pourtant, si nous regardons de près, vous faites exactement la même chose ou peut-être que vous faites pire qu'eux. Monsieur le Président, vous dites ceci dans votre discours. Notre pays a failli à son devoir de donner à la jeunesse une perspective crédible autre que de vouloir s'agglutiner au sein des institutions politiques et publiques, comme si leur avenir n'existait qu'en faisant de la politique. En 60 années, nous avons progressivement laissé notre classe politique se transformer en une sorte de mafia et nous en avons fait le principal modèle de réussite pour cette jeunesse. Vous dites nous avons, et pourtant ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est ils ont. Car en 60 années de gestion, vous n'avez géré que pendant une année et demie. Vous avez justement évité de dire ils ont pour ne pas donner à votre discours un caractère accusatoire, ce qui les rendrait incendiaires. Mais, Monsieur le Président, essayons de voir si ce que vous reprochez à vos prédécesseurs ne se reproduit pas pendant votre règne. Première accusation, vous accusez vos prédécesseurs d'avoir fait de la politique le principal modèle de réussite pour la jeunesse. Mais Monsieur le Président, comment pouvez-vous convaincre un jeune Congolais qu'il peut mieux réussir sa vie en faisant autre chose que de la politique lorsque tout le monde sait que votre directeur de cabinet gagne 34 985 288 francs? Son adjoint gagne 32 287 963 francs congolais. Allons plus loin, un nettoyeur, un cleaner donc, gagne 3 176 380 francs, plus qu'un professeur d'université, plus qu'un magistrat, plus qu'un médecin. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas tolérer qu'un président qui émane du peuple nous inflige une telle injustice. C'est impardonnable. Monsieur le Président, si vous ne changez pas les choses avant 2023, nous allons vous infliger le revers que vous méritez et vous irez en retraite prématurée. Monsieur le Président, un photographe de la présidence gagne 3 176 380 francs. Monsieur le Président, ce qui étonne d'ailleurs, c'est que, avec toutes les fautes d'orthographe que nous voyons dans les documents qui viennent de la présidence, un opérateur de saisie gagne 4 100 934 francs. Monsieur le Président, c'est ça que vous appelez le peuple d'abord? Et d'ailleurs, je vais me référer à un de vos discours pour prouver à mes compatriotes que le slogan « Le peuple d'abord » n'était qu'un appât. Vous avez dit devant le Congrès: je sais que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des frais funéraires, des frais de mariage, monsieur le président. Je dénonce cette façon de mépriser le peuple. Et d'ailleurs, vous auriez dû virer celui qui vous a fait dire des choses comme ça. C'est lui qui a écrit ce discours ne mérite pas d'être dans votre cabinet. Monsieur le président, je reviens au salaire. Un assistant d'université touche 258 000 francs congolais. Et si nous prenons en compte l'IPR qui va jusqu'à 40 000 francs, donc il n'a que 218 000 francs, ce qui fait exactement 100 dollars avec le taux de change actuel. Monsieur le Président, je vous dis que vous êtes en train d'échouer lamentablement et vous avez intérêt à revoir les salaires de la présidence, les baisser sensiblement avant 2023 et revoir aussi les salaires des autres travailleurs congolais pour qu'ils soient payés à leur juste valeur. Deuxième accusation, vous accusez vos prédécesseurs d'avoir laissé la classe politique se transformer en une sorte de mafia. Mais Monsieur le Président, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Dans tous les pays du monde pendant cette période de crise, les médecins sont célébrés. Alors qu'au Congo, pendant votre règne, les salaires des médecins qui volent au secours de leurs compatriotes au péril de leur vie sont détournés. Jusqu'aujourd'hui, ils disent qu'ils sont impayés pendant 3 mois. Ne pouvons-nous pas dire que ça, c'est une mafia? Un autre exemple. Un journal suisse a fait des révélations qui ont humilié notre pays. Le journal a dit ceci. La délégation congolaise est venue en limousine avec des montres Rolex, des diamants et des sacs Louis Vuitton et a été incapable d'honorer ses factures d'hôtel. Monsieur le Président, cette délégation dont on parle, c'est la délégation qui vous a accompagné en Suisse. N'est-ce pas une association de malfaiteurs, ça? Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas lu un démenti, ce qui fait que ces allégations sont fondées. J'ai beaucoup d'exemples à donner, mais je me limite là. Ce que j'ai aimé dans votre discours, c'est votre conclusion.
Vous dites ceci, en 60 ans, on sort des discours crus et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. Monsieur le Président, je pense qu'avec ça, parce que c'est vos mots, vous allez vous taire jusqu'en 2023 et vous allez, au moment opportun, nous présenter votre bilan. Monsieur le Président, ce n'est pas les discours qui ont fait de Lumumba les seuls héros et contestés de toute la litanie que nous avons aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait. Si vous voulez entrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte, agissez, prenez en compte les sociales du peuple. Tout ce que vous faites aujourd'hui, l'armée, la justice, c'est des actions qui consolident votre pouvoir. Le peuple n'a rien à gagner dans tout ce que vous faites. Tout ce que nous recherchons, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. Monsieur le Président, un quinquennat n'est pas une éternité. Si vous n'agissez pas dans l'urgence, nous allons vous défaire en 2023 et vous envoyer en retraite prématurée. Merci beaucoup, Monsieur le Président.